Et bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire un petit unboxing de cartes, que j'avais pas eu une série de cartes qui aurait pu m'intéresser. Et voilà qu'en décembre, donc là à la fin de l'année dernière, décembre 2018, est sorti le jeu de cartes Captain Tsubasa FCG Football Card Game de la marque de Takara Tomy. Donc c'est la collection qui a aussi fait les cartes IQ et les cartes de My Hero Academia. Oula, on s'en porte pas, donc la box. Un petit tour rapide. De chaque côté, quelques échantillons des cartes. Au dos, pile à la bonne hauteur, donc on va avoir le nombre de cartes de la série. Donc là, c'est le volume 1. On a 60 cartes en tout, 4 ultra rares, 11 super rares, 5 ex super rares. Ça, je vous expliquerai ça peut-être plus dans les règles du jeu que j'ai traduites. 7 rares, 11 extra rares et 22 normales. À l'intérieur, on a 24, il me semble, 24 boosters. Et dans chaque booster, vous avez 6 cartes avec une rare ou une super rare dans les 6. Donc on est parti, on a nos boosters ici. Le booster, il est fait comment? Il est comme la boîte. Bleu ici, brillant. Au dos, comme ceci. Il est ouvert, je les ai ouverts. Donc on en a 24. Avant de vous les ouvrir, je vous montre ce qu'il y avait dans la boîte aussi. Il y avait ceci. Quand on achète la boîte, on a un petit échantillon, donc 10. Donc c'est ce qui est écrit ici, je pense. 10 petites pochettes pour ranger les cartes. Voilà. 10 pochettes sympa pour ranger les cartes. Donc ça c'est dans la box. Au niveau du prix de la box, elle est à 4 500 ou 5 000 yens. Donc faut compter entre 50 et 60 euros pour l'avoir en France avec les frais de port. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au verso, on reconnaît, c'est à peu près le même verso que les cartes de IQ. Je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai faites, c'est à peu près les mêmes. Et on va avoir 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc la sixième, en général, c'est la rare, c'est la dernière. Voilà, les deux. Et à nouveau, une rare. Ah, tiens, voilà, c'est ce que j'avais vu dans un unboxing du Japon. C'est que lorsque là, on voit qu'on a une ultra rare ici, eh bien, on a une autre rare en plus dans les 6. Donc, c'est pas 5 communes à foison. Il y a une petite rare qui se glisse. Et du coup, voilà, super. Donc, l'ultra rare de Tsubasa. Donc, la première du paquet. Et notre rare ici. Je vous ferai un résumé à la fin de qu'est-ce qu'on a dans chaque paquet. Normalement. Donc là voilà, les trois, super. Hop, les gardiens. Hop, je l'ai déjà. Ah, tiens, encore une. Et donc ça va être une super rare. Donc la rare d'abord. Et voilà, la super rare. Ah, des effets sympas. C'est sympa, franchement, les petites. On reconnaît les cartes IQ, hein, si vous avez déjà vu des cartes IQ, ou si vous en avez déjà eu. Parce que, donc, il y a quand même eu 11 volumes. Eh ben, on s'y reconnaît un petit peu. Moi, là, je l'aime bien, cette. Encore! Ah, bah, super! Encore une super rare. Hop! Tiens, c'est notre ami. Hop!
Thank you.
Okay. Donc ça y est, tout est trié. On va avoir dans chaque boîte 3 super rares, 8, on revient, 3 ultra rares, dont une secrète, je vous montrerai ça juste après, 8 super rares et environ une vingtaine, je vous raconte ça juste après, vingtaine de rares pour le reste de communes. J'ai environ 4 sets complets, toutes les rares. Ici et ici. 3 sur 4 ultra rares ici avec une secrète. Et donc là et donc 6 super rares sur 11. Et 2 sur 5 extra. Donc les cartes extra, ça va être des cartes qu'on va utiliser pour soit tirer. Là, le SPX pour tirer. Et là, celle-ci, c'est plus pour une carte avec une compétence. Mais je vous expliquerai ça dans les règles. Ensuite, on a les rares extra ici, que je vous ai pu vous montrer dans mon unboxing. Hop. Hop. Donc là, c'est les 11 et les 7 ici. Les 7 rares normales. Personnage. 1, 2. 3, 4, 5, 6 et 7. Dans une box, vous pouvez avoir les rares complètes normalement, les communes complètes, et par contre, il vous faudra une deuxième boîte qui est ici, j'espère, pour pouvoir compléter les super rares et l'ultra rare qui me manque. L'ultra rare, vu qu'on en a 3, ça devrait pas être trop dur. Donc par contre, ça va être les super rares qui vont être assez compliqués parce qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes dans un paquet alors qu'il y a 16 cartes différentes. Donc il faut vraiment que j'ai beaucoup de chance pour que les 8 qui me manquent, ça soit, elles soient là-dedans. Ce que j'imagine être difficile. On est parti pour l'unboxing de la numéro 2. Donc je vous épargne les communes.
Ok, donc retour sur la deuxième boîte. J'ai eu l'ultra rare qui manquait ici. Donc c'est bon, les quatre rares y sont, ça fait plaisir. Par contre, comme vous avez pu voir, j'ai eu une super rare que j'avais déjà. Mais alors, par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu les sept autres qui me manquaient. Alors, et surtout que ça fait tous les personnages. Donc il y a tous les personnages qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et donc c'est celle-ci que j'ai eu en double. Et à contrario, ça va être dans les cartes extra, où il n'y en a que 4 sur 5. Mais alors franchement, ça fait plaisir. Là, il m'en manque une seule sur toute la gamme. Une carte extra. On va voir si au niveau des échanges je trouve bonheur, même je trouve mon bonheur, même si c'est une collection qui est pas très qui est pas encore très répandue. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous inscrire sur une page Facebook que j'ai faite sur ce jeu de cartes qui vous permettra de voir en résumé toutes les cartes. Moi, je suis vraiment satisfait. Là, on a des superbes cartes. Là, regardez-moi ça. Là, les deux collés, ça fait le coup de Tsubasa. Faut vraiment que je regarde, je relise le manga. Donc, je vous retrouve pour une vidéo sur les règles du jeu et une deuxième vidéo sur le volume 2 qui devrait sortir normalement fin avril. Merci, bonne journée.